Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors, on est parti pour la suite de notre aventure sur Dawn of Man. Du coup, on avait les points de connaissance. On avait atteint le nombre de points de connaissance pour pouvoir passer à l'âge de cuivre. Mais avant de passer à l'âge de cuivre, j'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo, que je voulais accélérer. Que j'avais dit que je voulais améliorer un peu mes armes. Donc on a 28 arcs et 26 lances. Donc on va améliorer un peu ça. Hein. On va lancer mes lances là et j'en ai lancé là aussi. Donc on avait dit qu'on voulait améliorer un peu ça, mon armement. Augmenter, pour être tranquille. On va commencer à construire des trucs aussi là. Hop, bah là c'est fait. Je vais même en construire un autre là, je pense. Une autre espèce de plateforme là. Là. Ça on est bon. Du coup on va passer tout de suite hein, l'âge de cuivre. Ça, hop, c'est fait. Technologie d'âge de cuivre, hop, il est fait. Donc là on est bon. Alors. Domestication de la vache, on va la prendre. Ça, on est bon. Ah oui, construire tout de suite. Poteau d'attelage. Ah, ça c'est pas mal ça, pour les traîneaux. Du coup, ouais, si j'avais les traîneaux, il fallait que j'en construise là quelques-uns là. Voilà. Là, du coup, moi, niveau traîneau, je suis un peu cric-crac. Défense. Hein. D'accord. Oh. Ok. Attends, on va passer, rester au niveau 1, là. Et on va... Alors... Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Là, on n'a rien. Production. L'atelier. Oh oh. L'atelier. Je peux pas le mettre là. Non. Donc on va essayer de le caser quelque part par ici. Là. Il me faut 4 branches, 4 bûches et 4 de paille. Ouais, à part les bûches que j'ai pas. Ça, c'est pas grave ça. On va couper hein. Hop. Hop. Voilà. Ah non, j'ai dit que je continuais toujours. Production, non, c'est bon. Métallurgie à mine de cuivre. Fosse à charbon. Atelier de métallurgie. D'accord. Défense, j'ai rien encore. Spiritualité, oui. Funéraire, oui. Ok. Donc, l'âge de cuivre, 1. Et après, on va partir là-dessus. Domestication de l'âne, la roue, là, là. Puis on est tranquille. Va falloir s'améliorer. Là, je fais combien? 96%. En fait, j'ai pas assez de monde. Il me manque un peu de personnel. Attends. Pas les trucs de chasse là que je peux. Mais là, j'ai une zone de chasse. Là, j'ai une zone de chasse. Attends, je vais même créer des zones de chasse ici aussi. Ouais, parce que là, j'en ai pas. Alors, une zone. C'est où? Ici. Et une autre zone de chasse.
ici, qui sont là, hop, ils chassent. Voilà. Dépêcher, on a quand même un peu de nourriture là, un peu plus, ça tient un peu mieux, mais pas beaucoup en fait. En fait, ce qui manque, c'est la nourriture. Même si je commence à avoir un peu plus de monde, mais voilà quoi. Les adultes partent à la chasse, les enfants ramassent les baies, ramassent la viande qui sont coupées, etc. Donc ça fait travailler, mais voilà quoi. Ils peuvent pas aller au champ, ils peuvent pas aller à la chasse, ils peuvent pas aller à la pêche. C'est un peu dommage. Là on est comme ça, le marchand est arrivé. Là qu'est-ce qui manque? Une brindille là et quatre bûches. C'est la mine de cuivre. Ça c'était quoi ça? Ah bah la mine de cuivre. Je vais en construire une juste comme ça. Ah non, il me faut 6 de machin. Ok, et des outils en cuir. Ouais non, j'ai trop de choses à faire là. Peau séchée, il me faut du cuir. Quatre là et quatre là. Ça va être hyper rapide. Ah oui, c'est vrai que j'avais mon truc là. J'ai vu. C'est dans quoi? Transport. Alors c'est ça, un emplacement pour laisser les transports. Ouais, je sais pas si c'est vraiment nécessaire ou quoi. Bon, en fait, c'est pour. Ah, mais c'est plus pour des trucs à chariot, ça. Pour les chariots. Ça sera plus ça. Un pont. On peut pas faire un autre pont là. Non. Non. Pas grave. Il y a 3 chariots là. Ils peuvent les prendre s'ils en ont besoin. Alors là qu'est-ce qui manque? Il manque encore 2 bûches. Là il manque pas mal de viande. Ils vont aller chasser ça quand même. Là on a tout ça, donc c'est bon. Des faucilles, on en a. Je vais peut-être en recréer d'autres. Surtout peut-être des faucilles à silex. Je vais en mettre 3 là. 4 ici. Puis je vais en refaire 4 autres là. Ouais, j'ai pas assez de personnel. Ouais, parce qu'il y a tous ceux qui sont là en fait. Bon, pour le moment, j'ai plus de crise alimentaire. Donc ça, c'est bien. Pour le moment. Parce que j'ai pas mal de légumes encore. Et du coup, ça,
Mais il me faut plus de monde là. Il me manque encore du personnel, capacité de 72. On a 73. Waouh. Attends, ça, on va recycler. Ça, on va recycler. J'ai un truc de paille ici. Mais je vais remettre un autre de paille dans le coin là. Stockage. Paille là. Et puis on va en mettre un ici. Comme ça, on est tranquille. Et là, il me faut des habitations. Oh, ils ont un peu morflé. Ah, oui. Alors, attends. Il me faut... Non, tout de suite, c'est ça. Extraire de la boue. J'ai complètement zappé ça aussi. Ça, c'était extraire de l'eau et... On va faire une autre zone de travail. Voilà. Exprès. Là, les cochons. Allez, hop. Ouais, parce qu'ils ont un petit peu morflé. Et on va construire tout de suite des résidences, des huttes. On va faire un truc comme ça. Voilà. Construisez-moi ça, les huttes là. Il me faut du monde. En fait, il me faut pas mal de travailleurs parce que là je pense qu'au niveau nourriture je suis bon, j'aurai plus de crise comme je disais alimentaire, mais j'aurais peut-être pas assez de bonhommes pour pouvoir bosser à droite à gauche. Donc tac tac, où est-ce que je pourrais. Moi, j'ai un feu là, j'ai un feu ici. Ouais, non, c'est bon. Là, ils récupèrent de l'eau. Là, ils vont récupérer de la boue. Tout le temps, en fait, ça va faire comme ici. Ils ont du lait, donc normalement, on est bon. De temps en temps, un petit peu de pêche. Ah, qu'est-ce qui manque? Ah, il me manque toujours. Faut que j'aille couper des arbres. Allez hop. Donc là on est bon. Ah, limite d'animaux. Une capacité de 84, voilà. Limite d'animaux, limite d'animaux. Donc il faut que je construise une autre écurie. Ah bon, on va la construire là.
Ouh, 109. Pas assez de monde. Domestication, palier atteint. Ouais, c'est bien ça. Mais bon, voilà quoi. Ouais, il me faut beaucoup de monde là. J'ai pas assez de personnel. J'ai 3 debout. On a 106, 103. Là, j'ai quoi? J'ai une bûche. Ah, bah j'en avais une, j'en avais plus. Bon, bah c'est pas grave. Là, qu'est-ce qui me manque? C'est toujours une bûche. Deux de bûches. Écurie. Ah, 7 machins. Hop. La nourriture, si ça reste comme ça, c'est bien. Bon, c'en est où là? Deux de bûches. Sept trucs. Là, c'en est où? Une de bûche. Ouais. Voilà. Ah, 69. Ouais, c'est bon. Là, il devrait me couper les arbres là. Devrait me couper les arbres, ils sont où? Voilà. Trois personnes. Quatre. Ça va aller plus vite. Quatre personnes pour m'aider à couper les arbres. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça, je pourrais avoir plus de bûches. Et afin de pouvoir construire directement mes baraquements là. Là, je suis à 40%, donc ouais, ça c'est un peu diminué, c'est bien, c'est bien. C'est pas encore assez. Oula, j'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe moi. Tout de suite. En urgence. En urgence, et oui, j'ai pas fait gaffe. Ouais, non, c'est pas ça. Harpon os. Voilà. Augmenter un petit peu, j'ai plus de monde qui va à la pêche. Et. Là. Et là aussi. Ok, à la chasse, là il faut que je me dépêche. Les animaux. Hop, le cerf. Voilà.
J'ai augmenté à 90%. Là, c'en est où? Moi, ça commence à se construire. Ah oui, c'est ça que je vais voir. Ah, canne à pêche. Ah, ça, c'est beaucoup mieux, ça. Ça, c'est les traîneaux. D'accord, à l'atelier, c'est pas mal, ça. Bah, attends, on va faire la canne à pêche. Là, il a 3 points de plus que... Et lui, il avait combien? Harpon, 2. C'était plus du combat. Ouais, combat, il y en avait qu'un. C'est ça? Combat 1, ouais. Non. Combat 1, pêche, voilà. Ah. L'autre, il va faire que des cannes à pêche. Bah, vas-y, hein. Sans, il faut du fil, là. Soit le fil de lin. Allez, hop. On a presque plus de nourriture. Bah, si, on a encore. Puis le marchand est arrivé. Tac tac. Bon, bah, on va essayer de voir si on peut pas choper des animaux quelque part, mais normalement c'est bon. Hein. Hop. Là. Là, vas-y, capturez ça. Et on va revoir, c'est encore un peu de pêche. Non, non, c'est bon, plutôt de côté. Ouais, on commence un petit peu à... Pas à devenir hard, mais voilà quoi. Le plus chiant, c'est méchant. Ouais, c'est sûr que j'ai la nourriture qui va arriver, mais c'est tout ce qui est de la viande qui manque. 92. Ok, pause. Ouais, voilà, cet épisode-là, il est quand même un peu compliqué. Hein. J'ai quand même réussi à passer au... Attends, je l'ai directement là. On va faire ça. Domestication de l'âne. Oui, je disais donc, cet épisode-là, il est quand même un peu compliqué hein, à faire. J'ai galéré quand même pas mal au niveau de la nourriture. J'ai réussi à passer à l'âge de cuivre. Du coup, ça nous a permis d'avoir d'autres bâtiments. Surtout l'atelier qui est pas mal. Parce qu'avec l'atelier, je peux créer directement des arcs, des frondes, une canne à pêche. Je peux passer directement à un arc composite, une nasse, donc c'est pour la pêche, et des boucliers, ça c'est qui est bien. Et une charrue. Et le chariot que je peux construire directement. Donc au lieu de d'aller là-dedans, chercher, au moins j'ai le chariot, le traîneau qui est là. Au lieu de là-dedans, je peux aller directement ici. Donc en fait, je peux lancer même des arcs ici et puis lui dire de lui faire autre chose. Donc voilà. Là, c'en est où? Là, il me manque toujours. Ok. Là, j'avais relancé un autre traîneau. Il me manquait encore du cuir. Et bah, je vais relancer un peu de cuir là. Ah bah, j'en ai relancé, donc c'est bon. Donc, faut attendre que les gens arrivent. Là, j'ai une baraque ici, deux, trois huttes qui sont en train de construire. Donc, ça va me permettre d'agrandir ma capacité. Et ce qu'il me faut, c'est que là, est-ce que j'ai un manque des fois, c'est un manque de personnel. La nourriture, ça va, mais si j'ai pas beaucoup de monde à chaque fois à droite à gauche, mais ça va être long à faire des tâches. Là, au niveau nourriture, avec les champs, c'est sûr que j'ai la nourriture qui va arriver, mais c'est long. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut que j'y pense à faire comme au début que je faisais, c'est-à-dire envoyer à la chasse et envoyer à la pêche en même temps, de temps en temps. Pour pas que j'ai les messages comme quoi il y a un manque de nourriture, faut que ça soit toujours équilibré. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant. Bah du coup, moi je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine. Hein.